325 apprenants, filles et garçons sont affectés auprès des 16 maîtres artisans par le groupement interprofessionnel des artisans du Congo, maître d'ouvrage délégué. Jules Florence, maître artisan, a accueilli 5 apprenantes dans son atelier pour une prise de contact. J'ai reçu 5 filles qui ont fait l'identification du centre de formation. Donc les enfants sont déjà passés. On a eu le premier contact, donc on a eu la prise de contact. Les enfants, on a discuté et donc on attendait le top du PDCE pour débuter. Et donc là hier, nous avons reçu le top du PDCE. Donc les formations vont débuter le 26 janvier. C'est un constat en matière de couture, coiffure, c'est que des filles. Parce que les garçons actuellement, c'est les métiers industriels pour aller travailler au pétrole. Donc les métiers traditionnels, les garçons ne sont plus intéressés. Donc ce ne sont que des filles qui vont subir la formation pendant une année. Plusieurs filières ont intéressé les jeunes pendant leur choix, notamment la couture, la coiffure, mais aussi les filières industrielles. Notons que cette possibilité offerte aux jeunes d'apprendre un métier de leur choix permet à ceux-ci d'acquérir de la compétence et de se prendre en charge dans l'avenir.